voyez qu'il y a une deuxième chaise quand même. Est-ce qu'on l'accueille ou pas? Les gars, on accueille Xavier, s'il vous plaît. Xavier, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Ce soir, les choses, ça va être incroyable la soirée, vous allez voir. J'espère que c'est chaud, Stizo. Ça va être une dingue. Il y a le retour, le public, je te jure, ils sont. Les gars, je vous jure, ils sont chauds. Les gars, je sais même pas si vous les entendez hein. La tête de Wall la prochaine fois c'est cinéma. On peut présenter le cash prize. Et moi je pense qu'on attend tous ça. Les gars, cash prize de fou, 5000 balles à win. Chaque top 1, 200 balles. 200 euros. Donc les gars, on peut mettre des OMG. Voici toute la liste des invités. On a du Flixi Vico aussi qui sont là. Alors, qui sont présents. Anecdote. Ils ont réussi à avoir leur slow. Joe, est-ce que tu nous entends? Ça va les gars, bien? Frérot, c'est la 5ème Stizo Cup que tu fais. Ok, tu vois un peu où je veux en venir? Ou pas? Bah, t'es en train de dire je les flop tous? C'est ça que t'es en train d'insinuer? Bah, ça veut dire qu'à chaque fois tu fais au mieux top 35. Non, mais là je suis avec. T'as vu, parce qu'en fait, t'as vu, je tryhard pas trop. Mais là je suis en mode tryhard. Donc, tu sais quoi, on se donne rendez-vous à la fin. Easy, tu vas te faire arracher la gueule, c'est tout ce que je veux te dire, c'est tout. Frérot, je les croise, je leur mets des petites gifs derrière le crâne, c'est mes petits top 5 de la cup mini. Minimum, top 5. Ou en partant du bain? Minimum. Mon Zewer. Joe est mort. Dans cette finale. Et le public, je veux du bordel dans 3, 2, 1. Pas de flop, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, ils sont quand même super bien parce que, comme tu peux le voir, ils sont pas en zone. La zone va avancer. On a un sneak qui va arriver. Vico qui marque ça. Qui vont tenter le backstab. On arrive sur un fight minimum magnifique. Mais là, pour l'instant, ils ont pas grand monde. Hein, les gars, les winners FNCS qui vont backstab. Et là, ça go. La gros qui est lancée. Vico qui va jouer directement la high ground. Qui va mettre directement de la pression. Et ils arrivent à bien garder. Tu vois qu'ils veulent pas rentrer vraiment dans les constructs adverses. Et là, c'est Podasai en face. Hein. C'est Podasai en face. Et Flixi, regarde-moi ça, ce putain de roi, les gars. Ils rentrent dans les box comme un big rat. Mais en fait, il y a triple duo là-dedans. Il y a triple duo. On a Podasai, on a Aza, Flixi et Vico, et l'autre c'est Frost. Ah non, ça va normal parce que la zone arrive. Et comme je disais, on a Podasai qui a des mini kits, qui a des splash, on a sûrement Aza qui a aussi probablement des kits ou des splash, ou voilà, peut-être Wilver aussi. Ils sont bien, ils vont pouvoir tanker justement la zone. Game elle est stack de fou. Ouais, mais ça me drop dessus. 92, ça me drop dessus, gros. La bouquet est partie. J'ai live si tu veux. Il y a deux chez moi, voilà. Ouais, bien sûr, moi cassette. Contre le winner FNCS. Mes splash, ok. Oh, Flixi qui tombe. Il s'est fait arracher par qui? J'ai pas vu. Non, le dash, on se casse, mais il skate parfait. Flixi qui est tombé, Vico qui va essayer de le sécuriser, va-t-il pouvoir? Et c'est Adrop et Shadox qui ont probablement tué Flixi. Et là, l'agro qui va être lancé du côté de. Ah, ils vont le casser pour moi, ouais, voilà. Pas de clé cassé pour Netox, mais ça va. On est 70 dans cette game. Et par contre, on a la team de Talmo qui sont en train de prendre les dégâts de Storm. Là, ils vont tenter une all-in pour aller chercher. Pour aller chercher de ses dégâts. Peut-être la balle Kovac qui va tuer Talmo. Tisma un HP. Ils le savent. Tisma il est mort, Tisma il est dead. On utilise les dashs et la Clément qui est en train de faire pression, qui fait tomber et qui tue Kaizen. Ouais, ancien duo en plus, hein, c'est scripté. On part sur Hydrop et Shadox, ils ont le high. Des Français qui sont en train de... Découper, hein. Allez, oh là, le full box de la part de Podasai. Et ça, c'est bien joué, Minecraft a dit qu'il va se faire arracher. Franchement, tu vois, regarde Vortex et Bass Sniper, zéro de maths, il joue dans les bushs. C'est de la noble, Xavier. C'est de la noble. Il récupère le kill magnifique. Et là, on a peut-être ce soir les gagnants, mesdames et messieurs. De la première game. Sheikos Arskill qui domine le high. Ils sont en train de mettre de la pression contre Bad Sniper. Et là, comme tu peux le voir, il passe le médaillon pour avoir le voilà. Regarde le nombre de personnes qui t'en font une offre. On a Shadox qui est derrière, qui va essayer d'avancer pour revenir en zone. Podasai, lui, qui est clairement en galère avec Azai qui va tomber. Azai qui va devoir faire le solo clutch, qui va récupérer le kill sur X-Wiz. Et Bad Sniper qui va le finir. Sheikos et Arskill qui vont descendre. Ils vont aller chercher le kill. Le kill à 2.3 portant. Et là, la balle de pompe sur Bad Sniper, c'est bien joué. Le kill de Sheikos. La balle, le double kill de Sheikos et on est en zone. Il y a tout le monde qui est en train de tanker la zone. Sheikos, mesdames et messieurs, peut-être ce soir le premier top 1 passe peut-être pour le kill. Les deux points, va-t-il le faire? Il tient la balle, malheureusement, et ça ne passera pas. Et c'est terminé. Récupère le top. C'est terminé. Sheikos, mesdames et messieurs, et on va me dire première game. La game de fou. La game de fou. Non les gars, elle est belle. Et les gars, Xavi, Zixli, M7. Et Kiroa aidera au-dessus, hein. Kiroa aidera au-dessus, qui vont pas forcément lâcher l'île tout de suite. Et on a Seiteux en GX qui arrive, c'est quoi tout le monde en C'est quoi l'île? On a Dentos aussi qui a envie, on mais, le voit. Mettez des OMG les gars, c'est quoi cette île de fou? Tu vois le même avec le clown là, tu sais, avec les militaires. Alors dis-moi que t'as la ref, t'en supplie. Bon vas-y, allez. Le chat a la ref. Dites-moi que vous avez la ref, les gars. Ah, t'as oublié, je n'ai pas moi les refs. Mais dites-moi, oui, vous avez la ref, abusez pas quand même. Mais bien sûr que non. On les laisse juste regarder ce qu'ils font. Si tu veux, viens. Mais ça, on va leur sauter dessus. Voilà, c'est parti. L'agro qui va être lancé. Prendre 3 chines. Y'a aucune boque.
Y'a aucune 85, un mec en face. Dans ma box. Ça ne passera pas malheureusement, mais il s'est pris plus de dégâts. Dentos qui finit avec 3 HP. Allez, c'est bien, on arrive à DD, on est rapide. Attention quand même de bien se couvrir, faut se couvrir quand même du côté de Dentos. Allez, faut qu'il avance parce qu'il y a la zone qui est à côté. Ouais. Bon, c'est flop. On prend des dégâts, on va mourir malheureusement. C'est flop et ça s'est fait bol. Tessio qui est en situation de 1v1 pour le moment, 1v2. 43 HP, on arrive à DD, on arrive à remonter, on est rapide, on a 3 kits, on va pouvoir DD la zone. Allez, là, la balle de pompe qui passera pas malheureusement et ça va tomber sous les balles. Et c'est Léa et c'est Monkey. Bon, j'ai pas envie de dire de free kit, mais en tout cas, Dentos sont bien défendus et Sheikos et Arskiv qui sont toujours là avec 5 kills, toujours premier. Beaucoup de kills quand même, 5 kills ouais, ils sont pour eux bien, et là la pression qui va être mise, ça y est, on va tenter le lean, le kill qui sera pris pour Sheikos. On va sécuriser le kill directement, on avait l'adversaire qui était au-dessus, voilà, on va pouvoir sécuriser et on va se faire laser malheureusement. Mur blindé. Attends, il y a du monde là-bas qui touche. Oh là là. Sixwell qui tombe sur les balles de Fixy. Le lean qui va être tenté. Et ça va le chercher. Ça, voilà. On va pas tuer le deuxième. On va récupérer le kill tranquille. On va se remettre full mats, full shield tout. Ok, on met les walls métalliques là enfin. On le voit à la strat. Attention, ça casse. Qui vient de se faire arracher par qui? Par Flixy. Il s'est fait défendre par Flixy. Il s'est fait laser par Flixy. Par contre, Vico. Vico avec Flixy. Vico. 11 kills à eux deux. 11 kills actuellement, mesdames et messieurs, la game de folie qu'ils sont en train de faire, le laser qui passe, qui finit un HPM et qui prend le kill, Flixy qui tombe, et Vico les gars, Vico qui va devoir se retrouver en solo clutch, qui va essayer de le raise, non je pense pas qu'il va le raise, par contre ça va speak les maths, donc même si clairement t'es tout seul, tu peux aller chercher solo clutch, et en direct, voilà, en parlant de solo clutch, lui il est en vie, il est tout seul, et pareil Vico sur elle, donc clairement ça veut rien dire, Vico qui récupère encore une fois le kill, il va réussir, va-t-il réussir à sortir, il va pouvoir récupérer le high ground, il y a qu'un duo, le petit fight entre cibles. Ok, le petit mur blindé, t'as vu comment c'est quand même cheaté un petit peu, hein. Les gars, parlez-moi des crapauds. Qui veut tenter le lead? Ça y est, le lead qui va être fait pour Andilex. Le continue, malheureusement, Andilex qui va tomber sur les balles de 6. 2v1v1, spammer les drapeaux, deuxième game de cette Season Cup finale. Kovac qui met le HP Vico, Vico qui délaie comme il peut, comme un roi. Va-t-il pouvoir prendre le kill? 18 HP, il arrive à délai comme il faut. Vico, ok, Vico, Vico qui dead, bien clutch. Vico, bien clutch, Sip en solo clutch. Le chat, est-ce qu'il peut le faire, Sip, oui ou non? Sip, situation de 1v2. Ah bon, bah il peut et pas faire. On a. Elle est belle, gagnant. Putain, 200 balles. Ça régale. Et par contre, Nitox. C'est parti, ça y est, ils ont vu qu'il y avait Attends. Eh vas-y, ça me casse les couilles. Allez, là c'était compliqué, hein. Surtout qu'il était top 27, il peut aller chercher encore deux grosses games. C'est bon, il arrive pas, il se fait pas courser, c'est très bien, il va pouvoir. La vie de ma mère, je vais les griffes la game d'après. Ah oui, ça j'aime bien. Ça c'est du griff, c'est dit à 4ème game, je les griffe de partout. 3 kills, ça peut tempo. Il peut récupérer la carte, il peut tout récupérer, il n'y a pas de soucis. Regarde dans le bush. Non, pas dans le bush. Peut-être, faut pas bouger, Esti. Te montre pas, mon grand. Attends, mais. Ouah, il a mis la balle, il a reçu le full bug. Voilà. Non. Jamais pas. Ah non, allez, Chewox qui arrive à délai comme un roi. Et Stick est mort. Et Stick qui va tomber. Oh malheureusement, non. Sur cette troisième game, je pense qu'il n'arrive pas. Non mais c'est une dinguerie, frère. Attendez, mais c'est une dinguerie. Ça va quoi, les gars? Non mais c'est une singerie. C'est un flamant rose, les gars. Naoxo. J'ai streamax Zewer et Stizo IRL, les gars. Attends, Naoxo, vas-y, casse le fight là. Vas-y, casse. Ok, attention, on a. Joe Lavani. Joe avec Slidies et tout. Voilà, on a Joe Lavani. Allez, casse. Il est pas nul, Joe Lavani. Allez, on a Clément avec Floki, avec le médaillon Wallach juste à côté d'eux. Ça va partir directement avec un fight. Clément, Floki, la pré-édite qui est passée, mais on arrive à parfaitement délai du côté de Asa. Podasa qui met de la pression. 11ème actuellement classement. Il faut qu'il fasse une place de plus pour pouvoir avoir le chaud, cash. C'est chaud, c'est dans la box. Et ça va tomber malheureusement sur les balles de Podasai. Très beau plage de Podasai. Podasai et Asa qui ont explosé Clément Floki. Vispen avec Lixium. Vispen avec Lixium. Top 9. Hein. Dominé le high mais qui ont délaissé le high. Alors peut-être un manque de Fixy. Fixy 11 kills. 10 kills pour Vico, mec. 10 kills. Mais tu te rends compte? Alors qu'on a encore 31, ils ont vraiment roulé sur la game. 10 kills il a, Vico. Fixy, 1 kill. Là ils ont activé le ils ont activé le mode énervé. Pico avec Flixy. Oh, petit crack aussi, ça un petit trade, ça a trade les dégâts. 2600 au-dessus au niveau de la Storm. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de nous proposer ce soir. Ça régale et Sheikos Yarski sur le high. Sheikos Yarski sur le high et ça c'est bien. Peut-être le top 1. Et on a Pico qui est en train de slay sur le bas, qui met un gros laser et qui prend. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs. Tu vois la rota, elle est vachement bien intelligente parce que là ils vont pas trop prendre de dégâts. Ça va build quand même, ça va assurer. Et encore une fois, Flixy qui va récupérer le kill.
qui a assuré, ça prend le kill sur Botixer, le mec de Bass Sniper qui est tombé aussi. Flixi Vico toujours vivant, Bass Sniper qui fait la rota le grand. Vico qui sont. Oh là là, ils sont en train de rouler. Attends, on va les chercher. Il faut les chercher. La balle qui va craquer le lit. Et Shaikos qui tombe. Shaikos qui tombe, les gars. Vico avec Flixi qui vont cette fois-ci reprendre l'œil. Et je crois après Topin, tous ceux qui ont mis, ils vont se mettre très très bien. Et attends, je crois que l'on a assisté à une dinguerie. Je crois que c'est la première fois que je vois ça sur une finale de Stido Cup. Ils sont à 19 kills. Ils sont en train de détruire le lobby. Oh, 12 kills pour Vico, le link à tomber, Flixi qui va tomber. Oh. Allez, peut-être la balle, on va tomber. Oh là là, le qui va tomber, Flixi qui tombe. Flixi qui tombe, c'est pas terminé. On est sur 1v1. Vico contre Sabi. Et le lean. Et ça craque. Et c'est top 1. Vatiaki dans une finale avec. Hey, y a des mecs quoi aussi à la banquette. Y a des mecs qui font des finales FTS. Il a eu 21 kills, gros. On a Joe, Arskill, Askipari. Joe qui va compter Zvico. Askipari, il y aurait Joe. Joe contre Zvico, les gars. Ah, c'est qu'il y a du monde. Et on a King, oui. Par contre, avec Jovani. Ça y est, ils sont partis sur le contest. On a réussi à mettre des bons hits, mais on finit à 3 HP pour King. Allez, il peut le faire, hein. Jovani, il peut le faire. Ça serait peut-être le clutch, ça serait peut-être le bon clutch. 50 de dégâts. Il prend un kill, il a réussi à prendre le kill. Il a un HP en face. Situation 2. Allez, Jovani. Allez, il a réussi à valider. Timing. Oui. Le timing. Oh, tu sais, ça va pas toucher, ça va choc la balle. Pourquoi ils viennent là, c'est des chiens, frère. Voilà, c'est des chiens. C'est un peu. Ouais. Oh, il a martyrisé son bureau. Ouais, mais après, il est solide quand même. T'as vu, il a mis des renforts et tout sur le bureau parce que il tient bien en vrai. Flixi. Faudrait qu'il Flixi qui se conteste. Oh là 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 là, et Chris Lubez, ok, qui se sont fait arracher la gueule. Deux balles de pompe par contre pour Buzz. Ouais, ça va être compliqué là. Va pas falloir rater ses balles. C'est bon. Crac, HP, mort, et l'autre passant. Nice. Et hop, la bande de fils de pute, ça, les streams à quart de merde. On ne cautionne pas, il y a une skybase, la régie, je vous en supplie, skybase Dentos. Ok. C'est bon, vas-y. Tu vas demander ta skybase, tu l'as eu là. 10 minutes. Par contre, t'as pas intérêt à la dire à voix haute. 10 minutes. Tu la lâches pas dans le de Koda ou je sais pas si. Vous inquiétez pas, y'a personne qui sait que vous êtes là. Qu'est-ce qu'ils nous entendent? Ah, c'est bon. Mais là, déjà. Ouais. Ah, ça va des maths, c'est là. Écoute-moi bien, t'arrives à gratter en skybase top 15, on te met dans le truc MVP. Le chat. Oh mon dieu, le chat, vous êtes d'accord? On le met dans le. Attends, les bâtards. Je le sais pas dire. Oh, ça Ah putain, ah, je dis pas que t'as pas spoil, mais regarde le live, c'est obligé. Il y a une petite surprise quand vous tombez, les gars. Dentos, ça te push, je cours, Dentos. Je crois que c'est des trous. On est dans la merde. Dentos, il m'a mérité. Dis pas Dentos, c'est pas. Non, allez. Il a son mec, il en a rien à foutre. Mon dieu. Dentos, dans ta famille, mais je crois que t'es juste. Ils sont, frère. Ah, frère, c'est qui ce mec, là? Ice Choco. Pourquoi ce blast de con, en plus? Ils m'ont découpé. Bah, ils ont tenté, hein. Ouais, ils ont tenté la skybase, frérot. Et le bise. Ça touchera pas. Et là, Vico et Flixi, hein. Vico et Flixi. Ils ont tenté le lean, et ça part, en lean, ça craque, ça prend le premier. Sur Kiroi. Et on a du monde à côté. Last game, Zimmer. Last game, comme tu dis, la rota qui est faite, c'est très propre. Oh là là, nickel, on a deux pompes. Vico et Flixi, les gars, dans le full load, ça va essayer de faire drop. Oh là là, la balle de pompe. Qui est récupéré pour Vico. Et ça va valider le kill. Voilà, c'est Vispel qui vient de tomber. On récupère un tout petit peu depuis le 82 de build encore. Il y a des mecs devant. Mesdames et messieurs, ils sont en train de tanker la zone. Ça va tenter le lead. C'est parti. Non, 70. Ça récupère le kill. Ça prend double kill. Ça récupère le kill. Ok, Flixi qui tombe. Monsieur. Vico qui tombe. Vico, situation Vico de kill. Vico 79 kill. C'est incroyable. Et qui va tomber. Attends, c'est pas fini. Hard kill. Peut-être pour le top 1 ce soir sur la dernière game. Mesdames et messieurs, ce soir peut-être Shaikos Hardskill pour la première place. La bague de pompe et c'est le tournoi pour Shaikos. Et ben on est prêt, et ben on est parti pour le classement. Dentos 39ème, pas mal. Ouais, 39, pas mal. Ouais, pas mal. Bah, pour Dentos 39ème, c'est bien. Comment ça, pour Dentos? Bah, c'est bien, il fait des best-of. Allez, 5, 4, 3. 2, 1... Et le winner, les gars, de cette Stido Cup est, sans surprise, Flixi Vico. 253 points. Points. Oh, ça joue à rien. Ça joue à 23 points, frère. Je vais poser deux questions, les gars. Hello. Hey, man. Hey, Flixi, hey, Vico. Hey. GG for the final, for What's the up? Win. Tell me your feeling about the last game, the third game. We're feeling great. Bro, you have dropped. 21 kill, you're smurfing the game. Thank you for the invite. Bon bah déjà GG les gars, propre franchement, de top 1. Comment vous sentez pour le futur, pour la suite? Bah, en vrai ça va, la cup on a bien joué, on a juste soqué une game, du coup on a pas gagné la cup. Et puis GG encore les gars. GG. Merci le public, on peut s'applaudir les gars. Ouais.
Ciao, ciao.